Bonjour, je parle pas trop fort parce que je suis dans le dressing, il y a Rémi qui dort. On est vendredi, je vais descendre, je me suis coiffée, préparée, j'ai mis mon petit pull que j'aime bien. Et du coup c'est parti, on va aller amener les enfants à l'école et je suis en train de mettre du coup en ligne mon vlog, comme je vous ai expliqué la dernière fois, qui va être décalé. On va essayer de prendre le pli comme ça. Voilà, donc et bah du coup c'est parti, on va voir les enfants. Bonjour! Bonjour! Ah, j'avais pas vu. Tu te l'enlèves, je veux pas te faire mal, t'as un caca à l'œil. Aujourd'hui, on est vendredi? Oui. Tu vas à l'école? Oui, et après, c'est le week-end. Ouais, tu vas te remettre du labello parce que t'as les lèvres tout abîmées. Il est sur la console derrière. Attends. Dans le truc des clés. Oui, Lucas? Non, dans la salle de bain, Lily, tu as joué avec dans celui de la salle de bain? Non, je l'ai fait par le côté de moi. Je crois que quand elle a fait un moustique dehors, elle gratte à la fenêtre. Ouais. Parce que le labello dans la salle de bain, je l'ai retrouvé complètement cassé. Voilà. Sinon, la petite tenue du jour, je suis habillée, va vite, c'est des vieux trucs. Ça, c'est une vieille veste que j'ai, d'ailleurs, on voit mon soutif à travers, donc c'est pas grave. J'ai mon petit pull, une vieille veste mango, je vais y arriver, style un petit peu officier. Je peux plus la fermer, enfin j'ai du mal à la fermer par contre avec ma poitrine, donc voilà. Parce que c'est du 34, donc elle est cintrée. J'aime bien, elle est cintrée un petit peu style empire, je sais pas si vous voyez. Enfin bon bref, donc j'ai mon sac fourre-tout pinky que j'ai depuis 2 ans peut-être. Un vieux jean grain de malice. Et les chaussures que j'adore et que je remets tout le temps en ce moment, c'est les Coco Lily. C'est des ballerines. C'est des... Vegan ballerines. C'est des Wills Vegan Shoes. Voilà, elles sont super confortables. Si vous cherchez des ballerines sans cruauté animale, franchement, elles sont top. On va à l'école? Oui. J'ai plein de trucs à faire moi aujourd'hui encore. Oh là là, je sais pas comment je vais faire pour tout faire. T'es très belle. Maman. Toi aussi t'es très belle. Et toi aussi t'es très beau. Allez, on dit à tout à l'heure. Oui. Bisous. À tout à l'heure. Je viens de rentrer à la promenade de Jules et donc du coup les enfants sont à l'école. Il est 8h55. Je vais ranger, il y a toujours du bazar et les enfants m'en mettent aussi un petit peu partout. Là derrière, comme c'est souvent en fait que le week-end on n'est pas là, donc du coup Jules il a un petit panier, enfin on lui a mis en fait c'est un matelas pour bébé qu'on a mis au-dessus parce que la taille est bonne et on n'a pas trouvé de coussin pour lui adapté qui lui convienne et voilà, du coup on a recyclé ça. Et du coup quand on n'est pas là, ce qui fait c'est qu'en fait il nous attend. Et là derrière vous avez juste là, je vais y arriver, vous avez la porte du garage. Donc du coup il nous voit, il est pile devant et sinon il nous voit aussi avec la porte d'entrée. Donc comme ça il est content. Voilà, donc je vais aller ranger, il faut que j'aille refaire le lit de Lucas parce qu'on avait, j'ai lavé sa couette de temps en temps, je lave la couette. Donc il faut que je lui remette sa couette, là il avait la couette de la salle de jeu en attendant. Je fais comme ça quand je leur lave la couette parce que ça met 3 heures à sécher, donc je leur prends tout le temps la couette de la salle de jeu en attendant pour qu'ils puissent avoir quand même quelque chose sur eux. Donc je vais aller faire ça, ranger le linge, je vais regarder le lave-vaisselle, il faut absolument que je finisse, j'ai des mails à répondre et après il faudra que je passe à Carrefour acheter les boissons pour le gala en avance et stocker ça dans le garage. Je sais pas comment on va faire, mais voilà, parce que la semaine prochaine on n'aura pas le temps de, je vais pas avoir le temps la semaine prochaine, j'ai une semaine assez chargé on va dire, donc pas le temps. Voilà, donc et bah c'est parti, go. Non, je sais pas si je filme. Attendez. Si c'est bon, j'étais en train de filmer mais je n'étais pas sûre. Donc avec Rémi on va aller à Carrefour parce qu'on doit aller acheter. Ouh, faut que je prenne, ça ira mieux avec le petit mot de course d'ailleurs.
Voilà, donc on se grouille. Donc du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous laisse à la maison parce que j'ai pas envie de vous laisser dans mon petit sac à main à Carrefour. Vous prenez de la place, mine de rien, quand même. Donc eh ben, je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure. Et sinon, je suis super contente parce qu'en fait, depuis qu'on a changé de connexion internet, je me suis rendu compte. Enfin, Rémi m'a dit, et puis je l'ai bien vu pour mes vlogs, je mets vachement moins de temps en fait pour les mettre en ligne. On a le débit en fait pour uploader qui est vachement meilleur par rapport à. Voilà, et en plus maintenant on a une petite box Wi-Fi. Je vous ferai voir. Du coup, apparemment, Rémi me disait que le débit est encore plus monstre, donc ça ira encore plus vite. Donc je suis la petite joie du jour. Voilà, merci Bouygues. On paye notre abonnement, hein, mais merci Bouygues quand même. Coucou, il est 4h20, donc c'est bon, on a fini notre mission. Donc on a été à Carrefour, on a fait 2-3 courses parce qu'il nous fallait 2-3 trucs et il fallait qu'on achète. Le cadeau d'anniversaire pour Inès et on a été prendre aussi pour Ethan une carte Micromania parce qu'il en a déjà une, combien, une 20 euros. Il en a déjà une et je prie 20 euros aussi pour Inès à peu près environ. Oui, parce qu'il a déjà, Rémi vous secoue, il a déjà une carte, un bout de carte, mais en fait le jeu qu'il veut acheter coûte plus cher, donc voilà, au moins il sera content, il pourra peut-être s'acheter son jeu, voilà, ça fera 1 euro. Donc on vient de décharger toutes les cadettes, hein Rémi? Ouais. Oh, il y en a 450, oh, ça va, hein, et ça passe tout pile dans notre coffre, voilà. Pour info, dans une DS5 hybride, parce que le coffre est plus petit, avec le coffre au minimum, en faisant du Tetris, vous passez 450 canettes à peu près. Enfin, un peu moins de 450, mais voilà. Donc les courses sont faites pour le gala, on a tout pris, les petites assiettes, tout ce qu'il faut, enfin voilà. Venez nombreux si vous habitez dans le coin, mais bon, je ne pense pas. Il y a des gens qui habitent à Clermont-Ferrand. Vous verrez Julia, Élie, ouais. Et moi. Et il y a André. Là-bas, là, des restos, c'est un bénévole. Ouais. Enfin, voilà, du coup. Donc, on va chercher les enfants. Et après, on va s'amuser à mettre. Mais si, on regarde, il y en a un là-bas aussi, le panneau d'affichage au côté du stop. Tu vois pas là-bas derrière? Là aussi, il y en a un. À tous les feux, en fait, il y en a un. Voilà, on va s'amuser à mettre sur les panneaux d'affichage les affiches. Voilà. Les gens me regardent bizarrement hein, parce que je me parle toute seule, il y a une caméra. Les fenêtres ouvertes, les autres dans la voiture à côté, elle m'a regardé bizarrement la dame. Enfin voilà. Pour les yeux qui te battent et les yeux qui te regardent, oui. Parce que non mais aussi je le cherche aujourd'hui. Toi tu le cherches. Parce qu'en fait j'ai un t-shirt, un pull, je sais pas si vous verrez, mais j'ai un mon pull, il est un peu transparent. Ah oui. Et de j'ai loin, juste, il est bien transparent de loin. Et on voit mon soutien-gorge en dessous. Hein. J'ai un soutien-gorge quoi, mais bon. Ça fait des vues. Ça fait des vues, c'est ça. Ouais. Peut-être que j'aurai plus de vues YouTube. Je vais me mettre en miniature ça. Non, je rigole. Enfin voilà, du coup, on m'a bien regardé. Je pense qu'à l'école, c'est pareil, on va me regarder. Mais bon, ouais, écoute, j'ai pas une mini jupe là. Et j'ai pas un décolleté du feu de Dieu. J'ai un décolleté dans le dos, mais pas devant. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va chercher les enfants. Et il fait 28 degrés. Ouais, il fait bon aujourd'hui, mais ça va pleuvoir, je pense. Hein. Il va faire, ouais, c'est. Ça va pas durer, ça. Donc voilà, on va chercher le loup. C'est et bien puis... que ça dure, parce que nous, la semaine prochaine, on aura besoin. Je n'ai rien dit, moi, je n'ai rien dit encore. Mais j'ai dit que la semaine prochaine, on aura besoin que ça dure, j'ai rien dit. Ouais, je n'ai rien dit. Et moi non plus, je n'ai rien dit. J'ai dit qu'on aura besoin que la température soit sympa. On n'a rien dit. Voilà. On n'a rien dit. Voilà, on n'a rien dit. Hein? C'est ça. Voilà. On a juste acheté des maillots de bain. Voilà. On va pas à la plage. Non, on va pas à la plage. Non, j'aimerais bien, mais non. Devinez. Devinez où on va, tiens. Est-ce qu'on va quelque part d'ailleurs? C'était le monsieur de la pizzeria. Enfin voilà, du coup, devinez, oui. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Si on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que t'es bon pour aller te garer en bas à ce temps-là. T'auras pas de place. Enfin... Non, mais je vais te poser devant. Vous avez entendu? Il va me poser devant comme un paquet. Et moi, je vais avoir tous les sacs et lui, il sera tranquille dans la voiture de nous attendre. Bah, quoi? Tu vas même pas chercher tes enfants à l'école. Mais je viens bien les chercher, regarde là. Ah oui, à vous dire. Je vais peut-être mettre des affiches pendant ce temps. Il y en a des panneaux d'affichage là? Je sais pas. Et ben, j'irai voir. Avec mon gros scotch orange. Faut regarder en ville. Je sais pas s'il y a des panneaux d'affichage ici là. Je ne sais pas. Allez. Coucou. C'est bon, on vient de récupérer les enfants. Moi, je. Mais si, je peux régler mon siège.
Attends, je vais vous les donner. Rémi est parti, c'est moi qui conduis, c'est lui qui va aller afficher les affiches. Oui, il fait chaud, je suis désolée, je peux pas ouvrir les fenêtres, j'ai pas les clés, c'est papa qui a les clés. Donc oui, Rémi il est parti aider, il y avait un monsieur assez âgé, aveugle, qui était complètement égaré, donc du coup il est parti, ce qu'il cherchait c'était un petit peu loin, il y a du monde, donc Rémi a été l'aider en fait, en lui tenant le bras pour qu'il sache où il devait aller. Voilà, du coup... C'est toi qui as les clés? Oui, oh, il fait chaud là-dedans. Oui, attends, je suis bloquée. Ah mais enlève-moi cette caméra, on n'a pas le temps là. Vous avez une preuve, hein, c'est pas moi. C'est lui qui veut pas. Je veux pas quoi? Que je vlogue. Mais non, je veux pas que tu vlogues, c'est pas ça. Mais là, on doit aller faire des trucs. Allez, salut. Vous avez compris? Salut. Salut. Ah, ça c'est pour Lily? Oui. Lily, t'en as un maintenant, le casque? Ouais. Et j'en ai un pour moi. Et on pourra brancher sur le tien. En fait, parce que toi, sur ton sa prise, tu peux brancher un autre cas. On va l'ouvrir après. D'ailleurs, tu t'es lavé les mains. T'as les mains toutes sales, pleines de feutres partout. Tes mains pleines de doigts, là. Hein? Bah moi, j'ai des feutres parce que j'ai fait ton cadeau cet après-midi. Oui, promo. Un petit chèque, Aris. Moi, ouais. J'en ai partout parce que j'ai fait ton cadeau cet après-midi. Ouais. D'accord. Et le tout, mais c'est le bazar. Et le tout payé avec les chèques cadeaux. Voilà. Histoire d'avoir des sous-sous. Et les prochains, on les paye pas à la commande qui arrive. 400€ gratuits. C'est pas une blague, hein, c'est vrai. C'est véridique. Non, je dis, c'est 400€ qui vont arriver gratuitement, là, c'est véridique. Alors, es-tu satisfait du bon plan Emrys, toi? Oh oui, très satisfait. J'en parle tous les jours à mes enfants et à ma femme. Elle adore. En ce moment, je suis en train de recruter plein de monde. Mais c'était pas gentil avec toi. C'est pas méchant. C'était pas une fête. Ça fait un peu comme les pubs. Oui. C'était pas fait en vendez fait, votre voiture. Achetez Emrys pour les Emrys la carte. Attends maman, fais attention. Vendez votre voiture pour les fêtes. Oui, il y a un chat, oui. Vendez votre voiture pour les fêtes. Achetez des chèques cadeaux. Pour faire vos courses. Et gagnez des points, gagnez des sous. Oui. Mais ça marche, hein. Oui. T'aurais pas dit qu'au bout de 4 mois j'allais avoir 400€. J'aurais même pu prendre plus. Tu mets 400€. Je vaux 400€ seulement. J'ai pas de prix moi. Je te vends 400€. Oh non, maman, si tu l'as. Et un chameau. Comme ils font. Je suis sûr qu'on m'achète. Pour un chameau 400€, enfin oui, je te vends pas. Ouais, bah tu viens de le dire. Hein, Jules, il a dit qu'il voulait me vendre. C'est pas si cher. Bon, sinon on a pris un. Oui, Lucas. Ouais, je pense que tu. Oui, on va y arriver là, tout le monde parle, c'est. Tu as des lentilles ce soir? Oui, mais tu fais de la sauce normale. Non, maman, je pense que tu. Non, tu fais de la sauce normale. Non, j'aime pas. Non. J'aime pas. Maman, elle vaut. Maman. Non, j'aime pas ta sauce. Maman, elle vaut 1,5 milliard. Attends, tu vas le casser. En fait. Attends, je vais le faire. Je vais le faire. En fait, Rémi, il a fait de la sauce, sa sauce sous salade, mais il a rajouté de l'huile avec de la tomate séchée. Attends, j'ai pas. Maman. Oui. Moi je veux pas te vendre parce que t'as une place dans mon cœur. Oh t'es mignon toi. Toi t'es mignon. Par contre toi là-bas là, pourquoi qui me vend pour 400€ et un chameau, pourquoi ça va être le titre du vlog, tu sais. 400€. Comment ça y a pas de dessin? C'est pas grave, s'il y a pas de dessin, il y a. Regarde, il faut les mettre, c'est personnalisable. Donne-moi ça. C'est pas dedans, non? Il y avait un truc ils là. Sont là, regarde. Ah, ils sont là, regarde Lily. Il y a des autocollants. Tu les colles dessus, où tu veux. Regarde, il y en a plusieurs. Tu donneras le canon au pompier Lucas. Non, mais ceux-là, c'est pour les garçons. Regarde, il y en a plein. Tu peux même faire ton prénom, il y a plein de lettres. On va faire ton prénom on là. On peut mettre une licorne et tout. Cette page, oh là là. Lily, tu peux lui donner c'est cette page. C'est pas sponsorisé. Oui, hein. Pas cette page. On l'a acheté à Carrefour. Pas celle-là. Pour info, en ce moment. Il y en a deux. Ils sont forts. Ils sont incroyables. Pour info, en ce moment, à Carrefour. Ça va, Jules? Oui, oui. Une licorne. Une licorne géante. Donc en ce moment à Carrefour, tous les attends, casques JVC ont 20% de remise immédiate. Donc au final, il nous est revenu à 15€ et sur Amazon, ils sont à 15€, sauf que vous avez les frais de port en plus. Donc voilà, et il existe du coup pour les garçons en version bleue là. Et ça les fonctionne Grecs, très bien. Enfin, celui-là, on l'a pas testé, mais celui du cas, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'avoir un petit casque pour les enfants sans qu'ils se fassent mal aux oreilles, n'hésitez pas à prendre un casque. Ils sont bloqués à 85 décibels et ils sont plus petits aussi. C'est plus pratique pour eux. Déjà que moi, quand je suis à l'ordinateur, ton casque à toi, il est trop grand, je le perds. Donc j'imagine même pas un enfant avec un casque avec la taille adulte, c'est pas possible.
Mais attends, Lily, voilà. J'écris ton prénom Lily là. Lily se concentre. Il n'y a plus rien là. Je suis la licorne. Est-ce que j'ai une chance sur les côtés? Oui, attends, mais il y a de l'autre côté aussi. Garde-moi un peu. La licorne.